Salut les amis, moi c'est Julia et je suis élève de intermédiaire 2. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ce livre, le livre des Baltimore de Joël Dicker, édité à Paris en 2015, de 475 pages. Par conséquent, un livre pour tous ceux qui ne se laissent pas intimider par les gros livres. Je vous assure, il en vaut la peine. Tout d'abord, je parlerai de l'écrivain Joël Dicker. Et c'est peut-être l'écrivain le plus attractif du monde. Vraiment, il est possible que ce soit la raison pour laquelle mon ami a acheté son premier livre, La vérité sur l'affaire Harry Kébert. Et maintenant, celui-là, qu'elle m'a prêté amablement. J'ai de la chance car chacun coûte 22 euros en livre de poche. Donc, le livre de Baltimore fait partie d'une trilogie, la trilogie américaine, parce que les histoires se déroulent aux États-Unis. La vérité sur l'affaire Harry Kébert de 2012, le livre de Baltimore de 2015 et la disparition de Stephanie Meyer de 2018. On peut les lire séparément, ce ne sont pas des suites. Et pour revenir sur l'auteur, Joël Dicker est suisse roman, né à Genève en 1985. Il écrit depuis son enfance et il a fondé une revue sur la nature à l'âge de 10 ans. C'est vraiment un homme qui aime l'écriture. Il a même gagné plusieurs prix, entre autres le Grand Prix de l'Académie française. Bien qu'il y ait des critiques qui disent que Dicker n'a pas de style, qu'il s'agit d'un écrivain pour ados ou qu'il ne peut être considéré comme un grand écrivain de littérature. Pourtant, c'est précisément ce langage clair et bien structuré qui me plaît, avec des répétitions bien compréhensibles aussi pour les étudiants de français. De plus, j'apprécie son talent d'accrocher le lecteur et de nous tenir en haleine tout au long des pages. Ce que je trouve formidable, c'est son imagination extraordinaire. Dicker raconte ici l'histoire des deux familles, les Goldman de Montclair et les Goldman de Baltimore. Le narrateur est Marcus Goldman, un écrivain, fils des Goldman de Montclair, qui est une famille de classe moyenne habitant une petite maison à Montclair dans le New Jersey. Marcus Goldman est aussi le narrateur du premier livre de la trilogie. L'autre famille Goldman, par contre, est très riche, vivant dans une luxueuse maison d'une riche banlieue de Baltimore. Ayant aussi une maison de vacances dans les Hamptons et leur fils Hillel va à une école privée. Marcus passe ses vacances chez eux et les admire énormément. Il se sent même mieux chez eux que dans sa propre famille. La famille est moins favorisée. Un jour, Hillel fait connaissance d'un garçon, Woody, qui est apparemment orphelin et les Goldman de Baltimore l'adoptent. Marcus raconte de manière vivante et très détaillée les souvenirs de sa jeunesse, toutes les bêtises que font les cousins, leur premier amour et la vie de tous les membres de ces deux familles. Il est vrai que parfois le livre traîne en longueur et les descriptions sont un peu répétitives. Il abuse surtout du drame qu'il annonce sans cesse et qui bouleversera tout. En effet, pendant le roman, le lecteur est curieux de savoir ce qui se passera pendant le drame. Les événements à la fin sont vraiment étonnants et dramatiques. Ce qui m'a choqué, ce sont les secrets obscurs et le développement du caractère de certains personnages, surtout du patriarche Saul Goldman, de son fils Hillel et de Woody, le fils adoptif. Avant tout, c'est un livre sur les sentiments, l'amitié, l'amour, mais aussi l'envie, la jalousie sociale et la jalousie amoureuse. Et c'est un livre sur la différence des classes. Je recommande ce livre à tous ceux qui aiment les drames, les histoires de famille, les grands sentiments et le suspense jusqu'à la dernière page.